Bam bam bam, show must go on à la Glaz Arena. Allez les acteurs qui sont en place et on peut lancer cette rencontre. Essayer. Oui, oui, ça c'est très bien joué de la part de Tourchenko, le duel remporté. Derrière Ayoub Abdi en déménageur qui va aller croiser son tir. Faut replier, il faut être solide, respecter le projet au niveau défensif. Derrière, à chaque fois, il va falloir de l'entraide, donc il faut les défenses inversées. Allez les gars, allez, allez. Perdu, le 3-0 peut-être, pour permettre de relancer la machine, et bien voilà. Trois énormes erreurs au sortir du temps mort. Ballon intercepté avec Benjamin Richert qui est tout seul pour défier Bomasta. Oh, super. La réponse tout de suite des Raphaëlois. Oh, le chef-d'œuvre ! Brian Monté on fire. Mais n'a pas su ensuite accélérer sur son Schwenker. Jesper Heil avec Dylan Garin. Le voici, la tentative de prise d'intervalle. La puissance, superbe. Quel missile! Attention pour les Raphaëlois, il faut trouver des solutions en attaque. Ne pas mettre en lumière. Oh là 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 là. Mais que se passe-t-il ce soir? On reste à 7-4. Et peut-être le 8ème. Oh magnifique! Oh, quelle passe pour Hugo Yund! Voilà, passe par-dessus. Sur le côté du but, c'est vrai que ce n'est pas le. Briller, il transforme les ballons de handball en clémentine. De Bastien Kermouche et derrière, et bien voilà comment Dijon prend les devants. Qui va disputer à la maison un tournoi de qualification olympique. Quel geste Brilliant. Absolument génial. Brilliant. Pas de deux minutes. Pour reprendre le mot de Philippe Garnand, parcimonie. Oh ouais, voilà la parade énorme pour Wesley Pardin. Allez, il va le prendre ce shoot. Il va le mettre, Alejandro Costoya. Ouais, superbe. Hein. Superbe missile envoyé dans la cage de Milan Baumastar. Ouf, alors ouais. Attention là, par ça contre. C'est une grosse faute. Hugo Brousé, 2 minutes, ça va être. Ouais, c'est minimum, mais c'est rouge, voilà, ouais. C'est comme ça. Mais on l'a senti. Hein. Junior Tuzolana. Oh, il va le mettre, il va le mettre. Oh, quel but! Benjamin Avgour. Au ras du ras du ras de la zone. Ah, il y avait défense en zone hein, de Romaric Guillaume. Allez, Vilmino. Monté. Où ça tricote. Et il s'en sort bien, Ryan Monté. Dijon ayant même mené dans cette première période. Super. Le numéro magnifique. Ouais, là 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 là. Roucoulette. Ce qui serait évidemment une bonne nouvelle pour les supporters savoyards qui nous regardent. Oh, la belle passe pour Pierre Paturel qui vient marquer le 12e but chambérien. Sur cette tentative d'Auguste Longerinas derrière Bakary Diallo. Oh, qui vient se régaler avec la petite roucoulette. Lui, le défenseur exclusif. Super joli avec Ivic qui va se précipiter à l'attaque. Oh, qui va aller transmettre. La passe est magnifique pour Andrea Parisini. Molinier et Crène les appuis. Il est dedans. Il a été refusé tout à l'heure, ce but. Mais ce joueur est spectaculaire. Agréable à voir jouer. Oh, et c'est la barre. Oh là 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 là. Et regardez, hein, vous avez vu hein, le ouf de soulagement là de Darossa. Il va falloir que le public du Parnasse joue un rôle essentiel pour tenter de déstabiliser cette belle machine huilée qu'est le H. En relais, à l'opposé, là, super passage de main. Fulgurant et... Pour l'instant, les nordistes arrivent à se créer des espaces. Alors là, quel tir! Encore une fois de Cornelius Krag, il a tiré du parking. Jamais 203, est-ce que ça va se vérifier? Eh bien non! Superbe intervention! Costoya. Oh la belle passe pour Pierre Paturel. Oh superbe là. Ouh, c'était compliqué ça de la part de Marquez, qui espérait obtenir la faute. Oh magnifique! Oh là 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 là, magnifique cette action, la connexion. Ça se bat pour prendre les positions. Ah oh, magnifique. Oh le. Oh là 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 là. Mais quel spectacle ce soir. Mohamed avec Garin. Le shoot par en dessous, il est superbe. Igenigman qui en a pris une petite au passage. Oh la belle passe dans le dos. Oh la finition. Oh Arthur Vigneron, il fallait la tenter celle-là. Mohamed autour de l'Oredon, tout de suite pour lancer Garin de loin. Le Schwenker, c'est bien fait de la part de Dylan Garin encore une fois. Hitch, on passe avec l'Égyptien. C'est compliqué ce ballon. Quel remarquable tir
de la part d'Ogando. Qui, à cet instant, il n'y aurait vraiment aucun adversaire plus favorable qu'un autre. Super finition. Il a perdu lui. Ce ballon. Cette fois-ci, il a bien réussi à trouver son ailier. Mais encore lui, Arunodic, quel monstre. Et derrière, possibilité encore une fois pour Toulouse de revenir à 3 buts. Gonzalo Martins Vieira, la lucarne énorme. Quel pétard envoyé au premier poteau. Sans se poser de questions, il a décollé à 11 mètres. Ouh, attention, ce contact, il est haut. Apollinaire qui a mis l'écharpe, la cravate. Il est habillé pour l'hiver, Gabin Martinez. Quelle sera la sanction? Carton rouge pour Apollinaire. Qui est revenu, qui a même une balle pour passer devant désormais. C'est pas aveugle, c'est incroyable, c'est un régal. Elles sont, elles distribuent à tout le monde, hein, pas de jaloux. Il n'y a pas cette envie de tout renverser, Steven Bois. Oh, quelle lucarne trouvée! Et bien voilà, peut-être pour allumer la mèche. À nouveau, encore Coldi Odriozola, peut-être. Allez, c'est un ballon qui va revenir à 4 longueurs et ça peut peut-être relancer c'est les choses. Mal, et cette c'est fin bien, de match. Oh, quel arrêt important! Boum! Mathieu Salou qui décolle et qui renvoie cette brique dans les filets de Valentin Kiffer. Ouais, voilà, on en parlait à l'instant. La puissance. 3 minutes, Pellaio pour Marie-Joseph. Quel jeu collectif. La perte de balle à Cambrai qui peut lancer son partenaire Lucas Radovic qui va aller défier Dylan Soyer et qui place les Septors en tête à 2 minutes du terme, 28-27. Mike Brasler. Ouais, le service. Ah, l'égalisation. Et attention. Oh, la barre. La barre et le match nul. Oh là 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 là, messieurs dames. Oh. Pop, 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 pop. Pour aller arracher l'égalisation, qui va s'y coller, Kylian Rigo, ça finit au fond, l'égalisation, il reste 6 secondes, attention, on est en cage vide, il était trop vite engagé ce ballon, 5 secondes, ça sera terminé, ils ont raté l'engagement, la déception terrible pour les Septors qui tenaient cette victoire. Une équipe malade, avec une équipe nantaise, et notamment ce dernier but de Lucas de la Bretèche, qui a montré un visage très conquérant. Toulouse s'impose largement. Après avoir maîtrisé la partie de bout en bout, le Phoenix poursuit sa première partie de saison incroyable. De ce match, le duel entre Gabi Lush et Yannick Green, remporté par l'ailier aixois, ex qui marque le dernier but, mais qui s'incline 39-31 en faveur du Paris Saint-Germain, qui garde son invincibilité, qui prend une 10e victoire en 10 matchs et qui est donc désormais seul leader de la Liquimoli Star League.